Bonjour chers amis agriculteurs authentiques, bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne. Ici c'est des astuces gratuites, des astuces maison comme vous aimez, comme moi j'aime. Et aujourd'hui nous allons parler du poivre noir. Ce poivre noir, vous le savez, cela aide nos femmes l'utilisent pour pouvoir épicer nos repas et nous l'aimons tous. Mais vous ne savez pas et je vais vous le dire. C'est un complément alimentaire que nous pouvons utiliser pour nos volailles, toutes espèces confondues. Et cela va nous aider à avoir des volailles en bonne santé et à améliorer nos rendements en matière d'élevage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le poivre noir est très très important dans la composition alimentaire de nos volailles. Quelle dose il faut utiliser, quelle est la meilleure période, la période propice pour l'utiliser, comment il faut l'utiliser. Restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications cling 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 et ne manquez plus jamais aucune de mes astuces totalement gratuites et fait maison. Tout de suite. It's getting serious on this track, fam. Le poivre noir peut être donné à tous vos volailles sans exception. Poule, dindon, canard, etc., etc. C'est un produit très riche que nous avons à notre disposition et nous devons tous en profiter. Maintenant, pour les poussins, il vaut mieux écraser le poivre noir. Il vaut mieux écraser le poivre noir mélangé à la provendre pour leur donner. Déjà, pas du premier jour, vous pouvez donner du poivre noir écrasé, mélangé à la provendre à vos poussins. Pour les volailles qui ont une certaine taille, il vaut mieux leur faire ingérer le poivre noir dans leur bec pour qu'ils l'absorbent directement. Donc, c'est un produit très riche, un complément alimentaire que nous avons tendance à tous négliger et nous devons tous en profiter. Le poivre noir est un remède maison qui va nous aider à renforcer le système immunitaire de nos animaux. Le poivre noir est un stimulant naturel des sécrétions gastriques, favorisant les processus digestifs de nos poussins nouveau-nés. Il contient des vitamines A, C, K, folate et choline. Il contient également des minéraux comme le potassium pour activer leurs muscles, le calcium, le phosphore. Le poivre noir est un élément antibactérien qui protège nos animaux de toute infection et bactérie. La vitamine A joue un rôle important dans le maintien de la muqueuse saine des voies respiratoires, des voies urinaires du système digestif. La vitamine C prévient et guérit le scorbut. La vitamine K est un agent très important dans la coagulation du sang et la génération de globules rouges, évitant ainsi les saignements intestinaux. La choline aide dans le métabolisme et évite la dégénérescence graisseuse du foie et contribue également à éliminer les toxines du corps. Le folate se manifeste, aide dans la formation des globules rouges, prévient l'anémie, la paralysie du cou. Donc, le poivre noir est très très important, vu sa richesse, pour nos poussins.
Je vous conseille de donner, disons, pour les poussins nouveau-nés, après avoir, dès leur réception, lorsque vous leur donnez de l'eau sucrée et de la vitamine, d'ajouter à leurs aliments du poivre noir écrasé. Écrasé, du poivre noir écrasé, 250 grammes. Pour 250 grammes de provendre, une cuillerée à café de poivre noir pour les aider à avoir un système immunitaire très fort dès le début. Et vous pouvez faire cette opération une fois par semaine. OK, pour les poules, les coqs et d'autres animaux, vous pouvez leur donner une boule de poivre noir pour les déparasiter. Lorsque vous sentez que ils ont besoin d'être déparasités. C'est mieux de prévenir que de guérir parce que parfois, quand nos animaux tombent malades, nous appelons le vétérinaire et le vétérinaire fait des soins, nous propose des soins et souvent, ça ne marche pas toujours comme on veut parce que les animaux sont déjà atteints. Je voudrais souligner ici qu'il n'y a rien de mieux qu'un système immunitaire très fort. Donc le mieux, c'est toujours de favoriser un système immunitaire fort pour vos animaux et il est toujours mieux de prévenir que de guérir. Le poivre noir que nous utilisons comme condiment à la maison, comme assaisonnement, cela ne va presque rien nous coûter de l'utiliser également pour nos animaux. À présent, nous allons vous donner 10 bénéfices du poivre noir pour vos animaux. Et ces bénéfices que nous allons vous donner font suite à une recherche réalisée par certains chercheurs et à des expérimentations réalisées par des éleveurs avérés. OK, tout de suite, voilà les 10 bénéfices du poivre noir dans l'alimentation de vos animaux. Le premier bénéfice, c'est qu'il apporte des vitamines et des minéraux aux animaux. Le poivre noir comporte plus de 12% de vitamines et de minéraux et plus de 10% de protéines. Donc, il est reconnu comme un complément alimentaire, surtout par son apport en vitamines A, B et K. En plus de cela, s'ajoute le fer, le calcium, le potassium, le manganèse et le phosphore. Grâce aux deux alcaloïdes importants que nous pouvons trouver dans le poivre noir, tels que la piperine et la capsaïcine, c'est possible, nous avons cette possibilité d'aider nos volailles pendant les périodes de fraîcheur et surtout nos poussins récemment nés, les aider à conserver la chaleur. La piperine accélère le métabolisme énergétique du corps, tandis que la capsaïcine stimule les récepteurs de chaleur pour une irrigation sanguine plus intense. Et c'est ces deux alcaloïdes qui aident nos volailles à conserver la chaleur. Le poivre noir renforce les défenses de nos animaux, de nos volailles, les rend plus résistants devant l'attaque de n'importe quelle bactérie et les protège également des maladies virales, surtout si nous leur administrons déjà cela dès leur jeune âge. Ainsi donc, nos petits animaux seront très forts et très résistants.